1907 est l'année de la plus grande invention des frères Lumière. Il ne s'agit non pas de la caméra cinématographique, mais l'invention tant attendue de la photographie couleur sur plaque de verre, connue sous le nom d'autochrome. Ici, Franck Eugène, photographe germano-américain. Juillet 1907. Franck Eugène réalise un cliché avec ses amis Alfred Stieglitz, Edward Steichert et Heinrich Kuhn. Ils sont ici en train d'examiner des tirages papier d'autochrome. Pictorialiste, c'est-à-dire mélangeant photographie, peinture et dessin, Franck Eugène n'hésite pas à travailler directement ses négatifs à l'aide de peinture à l'huile, de mine de plomb, de pointe sèche ou d'aquarelle. Cela permet à l'artiste d'effacer l'arrière-plan ou les détails gênants pour mettre en valeur le sujet, mais également de jouer sur des traits ou des courbes pour donner un effet de mouvement. Venons-en à la composition de l'image. Deux lignes parallèles à la table attirent tout d'abord l'œil sur Heinrich Kuhn, d'autant plus qu'il a un regard effaré et que la blancheur de ses vêtements le détache de l'arrière-plan. Les regards, eux, convergent tous dans la même direction. Le regard de Kuhn et de Steichen est lointain, dessinant un grand triangle, alors que celui de Frank et de Stieglitz est rapproché et forme un petit triangle. Deux groupes se distinguent assis, celui des costumes clairs sur les chaises à l'arrière et celui des costumes sombres à l'avant. On peut remarquer que la ligne des regards nous guide vers Eugène Frank. Côté éclairage, le visage d'Alfred Stieglitz est davantage mis en lumière que les autres, alors que celui de Franck Eugène est plutôt dans l'ombre. Seul celui-ci nous fait face, avec un regard de travers, debout et penché sur l'épaule de Stieglitz, le bras tendu sous la table. En effet, il cache le câble de commande de la chambre photo sous la table. Avec du recul, nous pouvons nous poser une question. Deux personnages assis à l'arrière, deux à l'avant, des regards qui convergent tous vers l'avant, et une chaise seule qui se retrouve devant Stieglitz, c'est-à-dire devant la personne assise à l'avant et à gauche. Avec quatre personnages disposés ainsi, le dossier de cette chaise n'est-elle pas disposé à l'emplacement du volant d'une voiture? N'y a-t-il pas ici un parallèle entre l'invention de la photocouleur, une technologie révolutionnaire pour l'époque, et le développement au même moment de l'automobile? N'assiste-t-on pas ici à un grand élan vers la modernité ?